dégagement, la tête de Mathis de Carvalho. Repoussé par Alexis Huneau directement dans les pieds d'Oliver Mvoima. Récupère Mathis de Carvalho, l'extérieur du pied. Bien joué pour Ali Hassan qui va accélérer sur l'aile droite. Il va pouvoir centrer et le ballon est à nouveau contré. Et un nouveau corner, cette fois de l'autre côté pour les joueurs de l'OL. C'est un corner frappé par Pape Führer. Attention à ce coup franc. C'est envoyé, c'est touché par le dos de Mathis de Carvalho. Pas de faute signalée par l'arbitre Arthur Mansip qui derrière vient pousser ce ballon au fond des filets. Et c'est donc le FC Lyon qui ouvre le score à la surprise générale ici à la Groupama OL Académie. Récupéré par Janicek. Allez, il y a quelque chose à faire. Romain Berthelin avec le ballon qui parvient à décaler Joris Mancan dans la surface de réparation. Joris Mancan repris au tout dernier moment alors qu'il s'apprêtait à envoyer un ballon pour Jérémy Mounsès. Janicek vers Oliver Mvoima. L'ouverture d'Oliver Mvoima, la bonne tête d'Alexis Huneau. Enzo Molebe qui se bat, ce ballon qui sort en touche. Il y a la bonne intervention de Mathis de Carvalho, toujours là où il faut. Mathis de Carvalho qui tentait de trouver Joris Mancan d'une passe. Le joueur de la génération 2006, son troisième match avec le 17. Oh, la bonne passe de Mvoima pour la frappe d'Enzo Molebe. Ce ballon est contré, ça offre un corner aux Lyonnais. Ça va être compliqué là, parce que les joueurs du FC Lyon vont se replier dans leur surface. Mais bon, il reste encore du temps, le ballon pour Ali Hassan. En retrait pour Enzo Molebe, ce qui est contré. Ballon vers Oliver Mvoima. L'appel de balle d'Enzo Molebe, il va être trouvé. Enzo Molebe à l'entrée de la surface, mais il perd ce ballon.